Et donc salut tout le monde, c'est Mac Pika, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 78 de PRO. Nous sommes toujours avec Mac Koji bien entendu, bonsoir. Toujours 78 épisodes, ça n'a toujours pas changé, je suis là, je ne pars pas. Il ne part pas, il est toujours là. Encore une fois, cet épisode est tourné en live bien entendu, mais bon, à force de me répéter, vous connaissez la musique, tous les liens sont en description si vous voulez nous voir en live ou voir les rediffusions. Et donc, qu'avons-nous fait la dernière fois bien sûr? Eh bien, la dernière fois, nous avons fait la mine de Charbourg, nous sommes arrivés en ville à Fessamine, nous sommes partis explorer les bâtiments et trouver du coup Pierrick pour aller l'affronter dans son arène. Mais toi, il me semble que tu as bien d'autres choses à nous raconter. J'ai énormément de choses à raconter. Bon, il y a une anecdote sur un copyright de musique, ça faudra regarder le rediff du live si vous la voulez, bien sûr. T'as vu, je fais des infos en exclu pour les gens qui regardent. Je suis fort, hein, je suis un vrai streamer. Mais l'autre anecdote m'a demandé tellement de temps qu'il faut que tout le monde soit au courant. Compréhensible. Bon, pour celles et ceux qui étaient en live, je sais plus si j'ai gardé le moment dans la vidéo, mais vous savez que j'ai préparé une team pour Sino parce que c'est relou de galérer. Alors en début de jeu ça va, mais c'est plus tard quand il faut faire des vraies choses, des vrais combats, vous comprenez? T'es en mode, I'm one shot toute ma team, c'est chiant, je ne peux rien faire. J'étais en mode, il faut que ça en finisse. Il faut que j'ai une vraie team, bien sûr. Bien sûr, je garde toujours mon starter. Vous voyez que j'ai un rose bouton pour avoir bien sûr Roselia. Je cherchais un troisième Pokémon qui se trouve route 207, donc juste au-dessus de la ville. On peut y aller si vous voulez, bien sûr. Allons-y, retournons sur les lieux du drame, bien sûr. Route 207, où se trouve, je vous montre les Pokémon de la zone, des Gligar, autrement dit des Scorplan, bien sûr. Scorplan, qui est un Pokémon qui n'apparaît que de nuit sur cette route. Et même, je crois que sur toutes les autres routes du jeu, il n'apparaît que de nuit, globalement. Il est rare. Vous me direz, oui, rare, oui, bon, ok, faut passer une petite heure, quoi, bien sûr. Que nenni, bien sûr que non, ça fait une semaine, vous m'entendez, une semaine que je suis là, à farm des Gligar. Et vous savez pourquoi? Parce que, déjà, il n'apparaît que la nuit. Donc, autant vous dire qu'il n'apparaît que 1h36. Sur un cycle complet de nuit. 1h36 toutes les 3h12. Oui, j'ai calculé tout ça pour connaître les cycles jour-nuit du jeu. Bien sûr. Donc il y a ça. Ensuite, il est rare. Donc rare, c'est-à-dire que sur une session, en moyenne, j'en touchais 2 par nuit. En moyenne, c'est à peu près ça. 2 par nuit et il m'est arrivé une ou deux nuits où j'en ai touché 0. En gros. C'était toutes mes nuits, hein, by the way. Il y a ça. Bonus à tout ça, je ne cherchais pas un simple Gligar, non, ce serait beaucoup trop simple. Je cherchais un Gligar avec le talent vaccin, le talent immunity, en anglais bien sûr. Et pour trouver un Pokémon avec un talent caché sur PRO, il faut savoir que le pourcentage de chance de tomber dessus est de 5%. 5%. Attendez, je vous la refais parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas bien entendu. 5%. Ah, c'est peut-être pas assez fort. 5%. Vous m'entendez? 5%. Bref, c'était long, c'était chiant. Et donc, bien sûr, j'ai commencé ça, on a commencé ça en live le samedi soir de la semaine dernière, du coup. Et bien sûr, on tombe sur des Gligar, mais des Gligar qui sont Hypercutter ou Sandvile, qui sont les deux autres talents qu'il peut avoir. Et bien sûr, aucun Gligar Immunity. Et donc je suis en mode, bon, c'est le premier soir, bien sûr. Je vais le trouver le lendemain, ou lundi, ou mardi, bien sûr, aucun problème. J'ai été bête, bien sûr. J'ai farmé... Globalement, dès que je pouvais, tous les jours, il y a une session de nuit à 9h du mat, une session à... Alors je sais plus, la prochaine je vais vous la dire, elle est à 14h,
une session à 19h et une session à minuit, tous les jours. Si je puis me permettre, rien que le fait que MacPika puisse vous ressortir ses infos, ça montre à quel point il a été tenace pendant toute cette semaine. Dès que j'ai pu, sauf c'était quand mardi et mercredi, j'ai pas pu faire la session de 9h et de 14h, puisque bon, il se pourrait que j'ai un vrai travail à côté. voilà. Et que du coup, je faisais que celle du soir sur ces deux jours-là. Et donc j'ai commencé à farm dimanche, lundi, mardi, rien. Enfin, des gligars, mais des gligars, sauf celui que je voulais, quoi. Et donc là, je suis en mode, putain, qu'est-ce que je peux faire? Je vais jamais le trouver et tout. C'est pas grave, je continue. Vas-y, let's go, les gars, on continue. On a la force, on est ensemble. Et donc je farm. Mercredi, 19h je crois, 19h où bah t'étais là, Koji. Et je suis en mode, bon, si je trouve rien sur cette session, il se pourrait que, en cliquant sur votre l'onglet boutique en haut à droite, se trouve un objet qui s'appelle le Black Medallion, qui augmente pendant 72 heures la chance de toucher les Pokémon sauvages avec leur talent caché de 20%. Bon. Vous l'aurez compris, MacPika a joué en pay to win. Il se pourrait que je n'ai pas touché le Gligar sur la session de 19h, et qu'à minuit 12, qui est donc le début de la session de minuit, j'ai activé un Black Medallion, un mercredi soir bien sûr. Enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi, du coup. Plutôt jeudi, dans jeudi, quoi, du coup. Et donc j'ai activé. Et effectivement, 25%, il se trouve que c'est plutôt pas mal, en fait, puisque j'en ai touché pas mal d'immunity. Enfin, pas mal, pas non plus des 100 et des 1000, mais j'en ai touché. Mais ils étaient pas fous, les premiers, quoi. J'ai touché des natures terribles, j'ai touché soit j'ai touché des natures neutres, mais avec des IV ok slash mauvais, quoi. Et donc arrive un moment où j'en touche un qui était pas trop mal à un moment donné, qui avait pas une super nature, mais je crois qu'il était genre plus PDF moins speed, un truc comme ça, qui était moi j'étais en mode bon, dans le pire des cas il est ok, tu vois. Donc c'était en pleine nuit, j'envoie un petit message dans le magnifique chat help de PRO pour dire regardez tous ces magnifiques ligars que j'ai, qu'en pensez-vous? On me dit, bah gros, c'est de la merde en fait, tu es une merde, continue à farm. On me dit, s'il n'est pas Jolly, Inpish ou Careful, je crois, c'est de la merde en fait, je m'en bats les couilles, m'en fous plus pas lui en fait. Donc, nouvelle déception dans moi, je suis en mode, que vais-je faire? Tout cet argent investi dans des Pokéballs, je souffre, j'ai besoin d'aide. c'était terrible. Et puis en fait, c'était quoi, quelques minutes après ce message, je pense que le tout puissant de Perro m'a entendu et m'a fait apparaître un Gligar Immunity de nature Jolly, que je vous montre sur ce live, qui c'est pas le il a pas des, en vrai ça va, il est ok, il est plutôt bien. Il a 25 d'IV en attaque, il a 14 en défense, il a 2 en speed, mais c'est compensé par sa nature, et il a 12 en speedf et 23 en HP. Faut savoir qu'un Gligar, enfin un Scorvol ultimement, on joue plutôt défensif, donc des EV en défense et en speedf, et beaucoup en HP. Beaucoup en HP, et on essaie d'avoir, on met un petit peu d'EV en speed, mais c'est pas le plus important en soi. Donc, j'étais en mode, ça va, mais peut-être que je peux avoir mieux. Et donc, juste avant de lancer ce live, j'ai continué à chercher, et j'ai pas trouvé mieux. Mais bien sûr, j'ai pensé à vous, puisque là, je vous parle, vous me dites, c'est terrible, MacPika, que tu as dû passer tellement d'heures, tu as dû trouver une trentaine de Gligars. À votre avis, combien de Gligars ai-je trouvé sur cette
pendant ces, bah, en fait, une semaine, en fait, sur cette semaine. Personnellement, je n'étais pas prêt. Cette semaine complète, sachant qu'on avait déjà farm des choses par le passé, genre notamment des formes de Noël pour ceux qui avaient vu les lives à l'époque, et notamment on est tombé sur des Pokémon un peu nullos, on en avait une trentaine globalement, c'est pour ça que j'ai dit une trentaine. Non, pas du tout une trentaine, mais pour qui me prenez-vous, voyons. Moi, une trentaine de Gligar, je me serais raté une trentaine de Gligar. Ah non, impossible. Vous savez quoi, on va aller au centre Pokémon, bien sûr, et je vais vous montrer tout ça, ce sera beaucoup plus simple, Bien. Donc déjà, j'ai un Gligar sur moi, bien sûr, j'en ai un. Ouvrons la boîte... Enfin, le PC. La boîte au Gligar. La boîte au Gligar, la boîte au Gligar, bien sûr. D'ailleurs, si des gens dans le chat veulent des Gligar, je les vends. Je les vends tous. J'ai besoin de faire de l'argent. Au secours. Donc, Gligar. Déjà, il y a une boîte complète. Là, ça annonce déjà la couleur. Quand on prend la première boîte, vous voyez, j'ai full hypercutter quasiment. Il y a quelques Sandvile. Mais globalement, ça c'était les premières sessions où j'étais en mode je vais jamais trouver le Gligar qu'il faut. Donc déjà, il y en a 15. Déjà dans cette boîte. Bon. Ok. Une deuxième boîte complète. Deuxième boîte complète avec des hypercutters, toujours des Sandvile. Tout ça, c'est terrible. Donc nous sommes à 30. Une troisième boîte complète. Toujours des Sunval. Et on commence à avoir des immunities, vous voyez. Je vous le montre, il y a quand même eu quelques immunities. Là, j'étais dégoûté, j'avais un Sunval Impish. Donc Impish qui est la nature qu'on recherche généralement absolument sur Gligar, mais pas le bon talent. En plus, il était pas dégueu, lui. Il avait 24 en attaque, 27 en défense, 17 en speed, 27 en speed def et 15 en HP. Je suis dégoûté. Mais, là, pareil, on a un immunity qui était... Lui, il était... Oh, putain, je sais pas si tu vois le live, mais celui-là, il était incroyable. Il a une nature nulle à chier. Enfin, nulle à chier. Enfin, il était... Ouais, je vois, effectivement, il y a un petit peu de délai, mais je vois... Il était... Il était si bien, mais... Je crois que c'était lui que j'ai montré dans le chat et on m'a dit... Mais mec, tu es nul, là. C'est nul, en fait. De quoi tu me parles, là. Moi, ça, j'ai 3000 heures sur PRO. Ce n'est rien, ce que tu me montres. nous sommes donc à 45, les gars. Puis on arrive sur la quatrième boîte. Ça se termine là. Et où, du coup, on arrive à 51, les gars. Et donc les derniers que j'ai capturés là tout à l'heure, quelques immunities mais pas dingue. J'ai eu quoi? J'ai eu un plus défense moins attaque donc pas ouf. J'en ai eu un nature neutre mais des IV dégueu. Et j'en ai eu un plus défense moins spdf et donc c'est nul quoi. Voilà et donc il me reste plus que celui qui est joli. Qui est le, disons, qui est plutôt ok. Il pourrait être mieux, bien sûr, mais ça fait une semaine et j'en peux plus. Je vais craquer. C'est le plus convenable et c'est celui qui est à l'œuvre pour le live d'aujourd'hui, surtout. Bien sûr. Il faut reprendre, mais sachez que j'ai passé beaucoup d'heures et très peu d'heures de sommeil. il a sacrifié du temps de dodo pour faire sa chasse au scorplane, moi je comprends pas comment il a pu. Dites-vous qu'on est samedi quand on fait ça, je me suis levé tôt. Je me suis levé tôt ce samedi pour ne pas rater la session de ce matin. Dans l'espoir de trouver mieux que ce scorplane joli, et au final je l'ai pas trouvé mieux, donc au final je me dis j'aurais pu dormir, mais c'est un détail. Mais bon, c'est celui-là qu'on va garder. Donc déjà, bravo à moi-même, bravo pour avoir trouvé le... Félicitations pour ta ténacité, ton courage et avoir effectivement empoché le gros lot, le scorpion avec la bonne nature. Ah, c'était une sacrée histoire, une longue aventure. Bon, on va pouvoir reprendre la nôtre du coup. C'était très long et souffert, ouais. On peut reprendre, il faut vite passer à autre chose, au secours. On va passer à autre chose, on va passer à un autre challenge qui est du coup l'arène du village de Charbourg. Une arène de type roche où on affrontera Pyrrhic, que l'on a déjà rencontré du coup dans l'épisode d'avant. Ouais. Est-ce que tu te sens prêt? Parce que moi clairement oui.
Ouais, je pense que ça va. C'est surtout, je pense, de mon côté Rose Bouton qui est un peu farmé ses Pokémon. Du coup, vu que mon Gligar a beaucoup de retard désormais, et ce sera lui en premier, je ferai des switches tout le temps. J'ai un peu compris, quoi. Ouais, c'est logique comme stratégie. Ben moi, du coup, avec mon type plante, mon type eau, tout devrait bien se passer également. Waouh! On est parti? Oh, attends. Bonjour. Ouais, on a l'impression que à la fois le guide de la reine et le move tutor, là, juste à l'entrée, peuvent nous apprendre Poliroche. Ah ouais. Je sais pas trop à qui ça peut être utile parce oh, merde, que. Merde. Oh, mes Pokémon ne pourront pas l'apprendre, du moins pas tout de suite. Ouais, c'est pas ouf en plus comme truc, hein. Bah, ça augmente de 2 crans la vitesse. Oh, décidément. Ça augmente de 2 crans la vitesse, donc c'est plutôt pas mal pour les Pokémon Roche qui sont plutôt lents, ils peuvent caser ça sur un tour. D'accord, ouais. Ok, ouais, bon. En l'immédiat, si on affrontait Jonathan. Jonathan. Vraiment, c'est Jonathan. Voilà, il aime le poisson, notamment le thon, bien sûr. Jonathan. Est-ce que vous avez déjà entendu ce prénom? Non, parce que du coup, il a dit Let's Rock, ce qui est intraduisible en français, pour le jeu de mots. Moi, je pense que ça veut dire Allons Caillou, mec. Je pense que c'est ça, mec. Je suis pas très bon en anglais, mais Allons Caillou, ça me semble être viable comme traduction. Bah, je suis ok avec ça. Ça donne pas d'XP, c'est ça que t'es en train de me dire? Si, si, mais mon perso pouvait plus bouger après le fight, j'étais en mode oh là là, ça crash. Mais en fait. Ah, ouais. T'as vu, ils sont quand même. Enfin, en tout cas, lui était niveau 12, hein, donc je pense que niveau 20 c'était pas déconnant. Hein. Mmh. Tu aimes les Pokémon de type roche? Ils sont durs et forts. Mmh. Ah, oui. Bon, bah, j'arrive. Hein. Bonjour. Bienvenue. Et voici la reine de la reine Pokémon de Cherbourg. Je suis... En français, c'est quoi déjà? C'est Pierrick. Pierrick, le champion d'arène. Je suis le dresseur. Je ne suis qu'un dresseur qui a décidé d'utiliser les Pokémon de type roche, bien sûr, fièrement. Et en tant que champion d'arène, je dois voir ton potentiel en tant que dresseur. Et j'ai besoin de voir la puissance de tes Pokémon qui combattent avec toi. Bien sûr! On va lui exploser ses racailloux. Oh non, pas les level points d'interrogation, oh. Pas comme ça! Il a qu'un racailloux avec son. Comment il s'appelle, son fossile d'ailleurs? Son fossile. Attends, t'as déjà battu racailloux là? Non, mais je sais qu'il va l'avoir, c'est son Pokémon phare. Enfin, ce Pokémon. Un phare, mec? Un phare? T'as dit c'est un Pokémon phare, donc c'est un phare. Oui, c'est le Pokémon phare, c'est le Pokémon... sa vedette, quoi. Ah, Kranidos, voilà. Ah, c'est un phare, d'accord, ok. Mec, non, c'est pas un phare. Ah, ok, c'est... Ouais, je vois. Mon Pokémon a littéralement disparu hein, du combat. J'attends des glitches de PRO. Ah, oui, c'est... Alors, s'il y a des espèces de petits lags, des trucs qui disparaissent en combat et tout, je sais pas pourquoi. Faut pas se poser de questions, le fait fonctionne bien, mais l'affichage des Pokémon est un petit peu discutable des fois. Attends, d'où Kranidos il avait une Bessitrus? Tricheur. Ah, comment il est mort d'un coup? Ouais, super. Bon bah, c'est gagné je crois. Je crois que c'était assez expéditif. Il donne tellement peu d'argent après tout cet argent, bref. Oh, c'est embarrassant. Ah, je suis arrivé perdu. Ça, c'est un dresseur qui n'a même pas encore un badge d'arène. C'est donc ainsi. Tu étais fort, j'étais faible. Voilà quoi. Bon bah, selon les règles officielles de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge d'arène puisque tu m'as battu. Moi, champion d'arène d'ici quoi. Donc voici ton badge officiel de la Ligue Pokémon, le badge. Charbon, ouais. C'était facile. Attendez, je vais essayer des choses intéressantes. Donc on peut utiliser Éclatroc, quoi. Ok, on peut utiliser Éclatroc. Ah. Oh non. Bon bah c'est la bagarre, tu voulais des fights. Let's go. Alors c'est quoi son nom en français à lui déjà? C'est Adonis. Adonis. Béladonis plutôt. Ah c'est... Comme ça. Oh, je vais pouvoir refaire la voix. Attends, mais en plus, tu sais que... Attends, je sais plus lequel... Attends, Lunetus. Non, ça c'est Lunetus.
Je suis Belladonis des forces de police internationale. Voilà, ça c'était sur Pokémon Prism. Let's go. C'est le recyclage, la réutilisation. C'est beau, non? C'est stylé. Bon, par contre, il y a toujours une voix, lui, donc. C'est plutôt comme ça aussi. Non, et les gamins, là, je suis plutôt occupé ici. Oh, vous avez un badge. Oh, bah, est-ce que vous pouvez m'aider avec ces gars là? Bon, je m'en occupe d'un et vous prenez l'autre, quoi. Oh, ouais, on va faire du 2 contre 3. Yeah, bro. Non, je pense que c'est vraiment mais... il a dit il en prend un et nous on prend l'autre, donc on doit se mettre à deux sur le même. Hein. Je suis désolé, mais c'est ce qu'il a demandé. Allez, on va lui casser la gueule. On le tape, c'est parti. Oh là là, avec son Pokémon en plus. On va l'écraser, mais d'une force. J'ai pas lu son direct, mais il parlait d'anime, j'ai pas suivi. J'ai pas lu non plus. Oh, ouais, c'est peut-être l'heure de gloire de Gligar. C'était facile. Que j'ai pas réussi là. J'ai pas envie de switch. Je veux que Gligar XP. Sur Shinypot, je doute qu'il va prendre beaucoup d'XP quoi qu'il arrive. Un niveau 9, il y a niveau 6 mon Gligar. Ok. Attends. Peut-être. Je m'en fous, on va passer le temps qu'il faut. Hop. Ouais, d'accord, il peut pas. Ouais, non. Ouais. Je peux pas l'empoisonner, c'est la merde. Hein. Bah si, c'est qu'un type insecte. J'ai pas de chance alors, ça proc pas. On n'a pas de chance. J'y suis presque, hein, bien sûr. C'est le combat le plus épique. Attends, je fais Poison Sting depuis tout à l'heure, il est pas empoisonné. On est lancé. J'espère que les voitures ne s'entendent pas, hein. Je sais pas pourquoi il y a autant de circulation là, cet après-midi. Mais ouais, désolé si ça fait du bruit de fond. Non, j'ai pas entendu. Hein, mais... Non, mais c'est permanent du coup. C'est... J'espère vraiment que ça s'entend pas. Plus qu'une attaque. Let's go. Combien d'XP? Il donne pas d'XP, mec. J'ai même pas relevé, putain. Quelle tristesse. Faut que je joue son Pokémon, super. Bonne ambiance, ouais. Super. Je t'attends là. Je suis vexé. Je souffre. Mais non. Tout ce temps investi pour rien, encore une fois. Comme ça que Jacques me remercie. Bon, bah. Sinon, ça t'a pris 15 secondes. Parlons-lui. Vas-y. Ouais, merci pour votre aide, les gamins. Je dirais que la Team Galaxy est arrivée de je ne sais trop où, et finalement... Non, j'aurais pas dû dire ça. Je ne devrais pas dire ça. Mon nom... Ah. Je suis Belladonis, des forces de police internationale. Exactement, c'était vraiment la best occasion. J'espère qu'on ne se reverra pas dans des situations comme ça, mais... Si vous voyez des gens habillés comme ces deux-là, essayez de les éviter autant que possible. Bah non, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre affaire dont je dois m'occuper. Adieu! Carrément, adieu. Super. J'ai le pressentiment qu'on va le revoir. Bizarre. T'as vu, je suis fort en imitation et je crois que je peux faire sa voix, attends. Je suis Belladonis des forces de police internationale. Je suis fort, hein. Incroyable. Franchement, c'est lui tout craché. Incroyable, c'est... Ouais. Bon bah, c'est parti, hein. Oh non, quelqu'un qui bloque. Voilà, monsieur. Attends, le chemin ravagé, mec. Ravagé. Le chemin ravagé, calmement. C'est pas ce qui s'y est passé, mais je suis pas sûr qu'on va le savoir. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oh, désolé, les gars, on dirait que des gens chelous sont partis devant et... Bon bah, ils veulent pas vous laisser passer, quoi. Oh, vous avez un badge! Oh bah, j'imagine que je peux vous laisser passer, maintenant. Et là, ça change tout. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Attends, par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne avec la troc à quelqu'un, non? Non. Enfin, je sais pas, si, peut-être. Oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Il a dit qu'à partir de l'arène, on peut apprendre... Bah ouais. Attends, mais on l'a pas avec la troc. Si. Bah non, moi j'ai pas. Ah, alors attends, je sais où est-ce qu'on peut en acheter. On peut en acheter, ici. Attends, j'en ai qu'un, malheureusement. Attends, c'est pas possible, on peut pas être bloqué. Ah, sinon, quand même. Si, je sais qu'on peut en acheter parce que j'ai vu un PNJ qui en vendait.
mais c'était où? C'était à Cherbourg, je sais plus. Il y a une ville qui est française aussi, c'est un trap. C'est vrai. C'est là-bas en tout cas. C'est ok, bah j'y vais. Ah, c'est ça. Orbank City House 2. Alors 2, ça m'aide pas beaucoup, mais. Ah, bah j'y suis. C'est l'une d'entre elles. Ouais. C'était bien celle-là ou pas? Ouais, ouais. 5000! Not Stonks. Ah, lui aussi, il nous les vend à 5000, hein, les. Ah, ouais, pareil. J'ai vérifié dans le doute où c'était moins cher, mais bon, en tous les cas. C'est très grave. Ils attaquent lui? Bonjour. Non. Il nous suggère de prendre du miel pour aller là-bas. Comment on fait? Moi, je veux bien, mais on fait comment? Je pense qu'on en achète sur les lieux. Bah, super. On est parti pour Floraville? Et ouais. J'ai trouvé cette ville. Mais attends. Alors, lui, on dirait Belladonis. Ouais, mais j'avoue. Mais je suis un plagiat. Bonjour. Ah, attends. Est-ce que vous avez vu ma comment je parle? Superbe. La fille fantastique. La fille fantastique. Ouais, fantastique, c'est très bien parce que j'ai pas envie de déraper en disant un autre mot. elle est la plus. C'est quoi cet endroit? Moi, je crois la plus étonnante sans doute. Ouais. Impressionnante. Dites-moi, est-ce que vous connaissez son nom, quoi? Comment ça? Bah non, enfin je sais pas, si. On dit oui ou non? Attends. Stupéfiante pour rester un ding. Ouais. Connaissez-vous son nom, non? Fait-il ou pas? J'ai fait non, moi, mais tu peux... Ah. Tu peux faire oui. Oh le bâtard! J'ai dit non, aussi. Bon bah... Ah ouais, il nous a expulsés, bah go dire l'inverse. On va le taper, vas-y, on va le... Bien sûr. Oula. Ah ouais, d'accord. Comment ça? Mais c'est pas un prénom, ça. Je vais dire E. Je vais dire O. Oh, le bâtard. Non, c'était pas E, c'était pas O. Ok, on va trouver. Il se dit pas... Non, tu choisis quoi, cette fois? Attends. T'as dit E et O, c'est pas bon. Je prends I. Ah, oui. Je prends U. Fuck! C'était pas ça, c'est pas c'était A. C'était A dès le départ. Peut-être parce que c'est la première lettre de son nom. Ah! Puis du tout, je veux dire. Oh merde. Pourquoi il y a un Z minuscule? Bah. Attends. C'est A, S. Que... Ah, mais c'est peut-être. Ouais, c'est ça, ouais, c'est comme. Ouais, ouais, ok, super. Merde, j'ai mis ce clic. Hop! Fuck, j'ai mis ce clic. Je suis un con. Ça va bien se passer. Oh, il nous donne un cookie pour avoir bien donné le nom de cette fille. Boum. C'est juste une fille qui fait oui dans les fleurs. Bon. D'accord. Je crois qu'il faudra y aller après. Oui, sûrement. Parce qu'il n'y a rien ici pour l'instant. Bonjour. À moins qu'ils aient rajouté des zones d'arbre. Oh, une maison. Mais c'est le mec qui vend le miel normalement. Salut Lily. Oula. Oula. Oula, c'est quoi ça? Elle veut 19 Becesto pour moi. Moi, elle veut 18 Persimberry. C'est quoi des Persimberry? Attends, ça fait quoi? Est-ce que c'est des trucs de V ou pas? Ça met un peu quand même sa confusion. Juste la confusion, ok. Bon, je dois en avoir, j'imagine. Ah ouais, j'en ai eu. Moi, c'était des baies marrons, du coup, j'ai donné 19 baies marrons. Super. Lui, il dit quoi? Rien. Ok, on s'en fout. Bon, je sais pas. Bonjour. Du miel. On sait qu'on pourrait parler du coup aux Apitrini et à... Merde. Comment elle s'appelle l'évolution d'Apitrini déjà? Apitrini... Apirène? Non, c'est quoi Apirène, tout ça? Simplement. J'avais son nom en anglais très 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 incrusté dans mon cerveau et je n'arrivais pas à m'en défaire. Est-ce que j'ai trouvé un nom? Ah! Bonjour. Tu peux étudier Apitrini pour le rentrer dans ton Pokédex. Oh, jure! Laisse-moi te parler, toi. Reviens là. Salut Go. Lui aussi. Toi. Ah voilà. Alors du coup, route 218, Lifton et route 205. Ok. Bon. C'est parti. Eh bien, je suppose qu'on doit aller aux éoliennes maintenant. Salut Sandy. Tu veux savoir? Oh, c'est parti. Allez. Non. Allez. Mon papa, il travaille aux éoliennes.
Mais ça fait quelques jours maintenant, il n'est pas rentré à la maison. Il est parti chercher des clopes, il a dit, il est jamais rentré. Bizarre. Le gars à l'entrée du bâtiment est devenu méchant avec moi. Il veut pas me laisser rentrer, donc s'il vous plaît, soyons papa. Ok, c'est nos morts. Parti chercher des clopes. Oh, le découpage de map est immonde. Ouf, oh. Rebonsoir les gens, c'est la suite de l'épisode. Il y a eu quelques temps de décalage entre temps, bien sûr, vous savez. Ben c'est pour ça qu'il y a eu des petits changements dans mon équipe. Bon, il se pourrait que Budjo ait évolué en Roselia, que j'ai trouvé un Mustéboué sympathique. Qui a fait évoluer aussi d'ailleurs. Que j'ai fait évoluer aussi. Et un Scorplane que je ferai évoluer dans la nuit parce que bah, il évolue que comme ça, MDR. Et aussi, vous avez vu, il y a quelques objets qui ont. Enfin, un objet surtout qui a pop qui est l'orbe toxique. Merci encore une fois à DeathMod et. Putain, j'ai oublié le pseudo du deuxième. Coup dur. Je me saurais te dire que je crois que je n'étais pas là. Non, il n'était pas là, mais je l'écrirai sur la vidéo. Bien sûr, j'ai oublié le pseudo. Désolé, mais merci à vous deux qui ont donné tant d'efforts pour Oden, me chercher. Oden, le pseudo. De quoi ? T'avais noté Oden le pseudo. Ah, c'est Oden. Oh putain, trop fort même. C'est beau, ouais, incroyable. Donc merci DeathMod et Oden pour l'orbe toxique. Les CT, les fameux CT que je cherchais, genre il y a donc bah, acrobatie, danse lame et est-ce que je l'ai appris à l'autre ? Et danse pluie sur Mustéflotte du coup. Qui sont introuvables à Sinnoh, bien sûr, qui ne s'apprennent que par CT pour ces Pokémon. Vu que tout est AON, de toute manière, on a bien compris. Ben voilà, c'était là. On est parti trop vite de cette région, malheureusement. Ouais, en même temps, fallait savoir. Et bon, j'ai commencé à faire EV, puis j'ai vu que les niveaux grimpaient un peu vite, donc j'ai arrêté. Je suis quand même quelqu'un de sage, vous avez vu. Oui, c'est grave arrêté à 25 quand même. Je suis niveau 22 sur mes deux Pokémon, je rappelle. Alors à la base, je devais m'arrêter à 25. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est Budjo était niveau 24, et je me dis, bon, j'attends qu'il ait le bonheur au niveau max, je fais monter d'un niveau, niveau 25, Roselia, incroyable. Bon, bah c'est buggé, et je l'ai fait level up, ça a pas marché, donc je l'ai laissé crever dans un combat, pour qu'il perde du bonheur, je l'ai refait combattre, bonheur max, et là il a évolué sans... Enfin, c'était très bizarre. Et en fait, j'étais en mode, bon, bah je m'arrête niveau 25 et tout, puis bon, Mustéboué, je vois, il évolue niveau 26, quoi. Bon, un petit niveau, ça va. Ça se met bien. Bon, et donc voilà, bref, voilà le pourquoi du comment des changements. Et puis maintenant, on peut continuer, voilà, tout simplement. Bah vous n'êtes pas autorisé à entrer aux éoliennes, enfin, dans les, enfin, comment on appelle cet endroit ? Dans le bâtiment des éoliennes, plus simple. J'ai reçu un ordre de laisser les autres gens dehors, en dehors de cet endroit. Partez ou je vous défonce. Ah ouais. Donc en fait, il nous laisse le choix sans nous laisser le choix, quoi. Super, bonne ambiance. Vachement sympa, cette personne. C'est très cool. Bon, bah, c'est parti. Tu vas aller voir ça. Le petit chat, là. Allez, ça dégage, suivant. Ah, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de suivant, il n'y avait que le pot de petit chat. Oh, très bien. Je vais m'enfermer à l'intérieur et personne ne sera capable de rentrer. Personne, à part... Hein ? Cohort, c'est quoi ? Je vois pas de quel mot tu parles et avec le modificateur de voix, je n'ai même pas compris. My cohort. Je sais pas, les compères, justement. Mon compère dans... C'est camarade de team, en tout cas. Dans le parterre de fleurs. Qui a le mot de passe. Ok, il y a quelqu'un qui se planque dans un espèce de champ de fleurs, j'imagine, avec un mot de passe. Ouais. En fait, c'est derrière Floraville. Bon, par contre, j'en ai ma claque de ce petit chat qui me spam hypnose et que j'arrive pas à kill. Un peu malaisant, quand même. Ça va bien se passer. C'est bon, dis donc. Bonjour. Garde ton miel pour toi, vieil homme. Je dois partir, je me dis. Non, il veut que justement le vieux lui donne son miel. Ah, ok. Qu'est-ce que vous voulez? La bagarre, lui, en tout cas, ça c'est clair.
Quoi? Vous voulez le mot de passe? C'est pas comme si j'allais vous dire que c'est open ses... Enfin... Bon, je me casse maintenant, hein. Open, c'est... Enfin, ouvre-toi, c'est, genre... C'est âmes, ouvre-toi, ouais. C'est âmes, ouvre-toi, ouais. Bon, bah... Alors, est-ce qu'il nous dit un truc, le vieux? T'as du miel? Mon miel est connu tout au travers du pays. Et parfois, je suis menacé pour qu'on me... Hein? Et qui mettrait comme mot de passe « Sésame, ouvre-toi » Ça m'a bien fait rire. Bonjour. Ouais. Ah, c'est quoi le mot de passe? Ah, c'est ça, ouais. C'est bien. Ah, c'est ça, ouais. Super. Allez, des nouveaux grunts. C'est parti pour la bagarre. Je parlais au monsieur, excusez-moi. C'est le papa. Non, s'il vous plaît, aidez-moi. La Team Galaxy ne veut pas me laisser rentrer chez moi et... Et me force à travailler, non, de jamais m'arrêter de travailler pour récupérer de l'énergie, enfin rassembler de l'énergie. Ouais. Salut Mars. Je suis une des commandantes de la Team Galaxy, une des trois commandantes. Nous avons essayé de créer un nouveau monde qui serait mieux que celui-là, parce que la planète, tout ça, non, l'écologie, tu comprends, non, c'est pas du tout ça, mais... on dirait que vous ne comprenez pas nos idéaux. Dans ce cas, vous êtes mes ennemis maintenant. Parti, hein. Assez de blabla, maintenant la bagarre. Non, pas les niveaux de points d'interrogation, pas comme ça. Il me retente les autres. Oh, le chafouin. Oh non, il a survécu à 10 HP. Déçu. Oh, Farfurae, vraiment? Boum. Bah alors, on est vide? Vide? Bah super. Comment ça, vide? C'était rapide, hein? Bon, très bien, vous avez gagné cette fois. Ah, c'est dommage. Je voulais récolter plus d'infos de cet endroit, mais j'imagine qu'on a assez récolté. Allez, tout le monde, on se casse. Oh, bah dis donc, Sandy, si tu veux te téléporter ici, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Bah super. Salut Sandy. Oh merde, il me faut une voix encore plus aiguë. Attends, est-ce que celle-là, ça passe? Attends, ouais. Merci pour votre aide. Ah maintenant, je peux rentrer chez moi avec mon papa. Ah, super. Ah super. C'est tout? On nous donne rien? Bah super. Ah, ils veulent créer un nouvel univers, oui, oui. En somme, regarde pas, hein. Juste rentrer chez moi. Voilà, je veux juste rentrer chez moi. Normal, après une bonne journée de travail, t'as juste envie de rentrer chez toi. Super, ils ont pas peur, pas choqué, rien, bah, très bien. Ça arrive tous les jours. Super. Centre Pokémon. Ouais, exactement. Et après on pourra continuer vers la forêt Vestigion du coup. Incroyable, incroyable. Je sais pas s'il y aura des trucs intéressants là-bas. Et du coup, je me pose la question de est-ce que c'est la fin de l'épisode ou pas? Bah écoute, on peut clore l'épisode 78. Oui, c'est compliqué, vous savez, pour nous, il s'est passé beaucoup de temps, du coup, on sait plus si l'épisode il est assez long ou pas. Ouais. Bref, du coup, putain, c'est l'enfer, faut résumer. bah du coup, dans cet épisode. En fait, t'as déjà résumé au début de l'épisode, donc tranquille. C'est vrai, bien sûr. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre en live pour voir les épisodes dans leur intégralité, tout simplement. Et puis assister au fun du tournage des épisodes, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Tout ça, bien sûr. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est pas mal. Fait le tour. Bah super, hein, c'est la fin d'épisode. À la semaine prochaine ou à très bientôt en live pour la suite des aventures.
Exactement. Salut. Ciao, ciao.